choisi pour être devant vous sont là. Ceux qui manquent à l'appel ne sont pas RHDP. Et ça, il faut que je vous le dise. Le président Alassane Ouattara m'a appelé et m'a dit, Adjoumani, je peux tout perdre. Je peux tout perdre. Mais je ne peux pas perdre Bondoukou. Je ne peux pas perdre Bondoukou. Parce que Bondoukou est une ville symbole. Vous savez les liens qui nous unissent à Kong. Vous savez également que Bondoukou est le chef-lieu du contrôle et du district. Est-ce que mes parents de Bondoukou, vous allez confier le poste de député à des personnes qui ne respectent pas le président du parti, Alassane Ouattara? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous ne voulez pas voir Adjoumani ici avec des feux d'artifice? Je vous donne la bonne information. Le jeudi à 20h, je vais faire des feux qu'on n'a jamais vus. Je viendrai à Bondoukou pour mon dernier message. Je serai là à 20h et à 20h30, nous allons éclairer le ciel. Chers parents, nous sommes venus vous dire que le président Alassane Ouattara nous a demandé au niveau local de choisir nos meilleurs candidats. Il y a eu beaucoup de candidats qui se sont présentés au niveau de Bondoukou. Mais nous avons réfléchi. Nous avons dit c'est Manza et Mama Diabaté. Et il y a des gens qui ont signé des papiers pour dire qu'ils ne vont pas être candidat et qu'ils allaient être derrière nos candidats. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés se cacher pour déposer leur candidature. Ils disent qu'ils sont indépendants. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'ils sont indépendants? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le jeudi, je vais parler. Parce que les indépendants tirent leurs informations d'autre côté que vous connaissez. Or, nous, nos candidats sont les candidats du RHDP du président Alassane Ouattara. Le président m'a dit, Adjoumani, je ne veux pas perdre Bondoukou parce que j'ai beaucoup de choses, des réalisations à faire pour Bondoukou. L'université est en train d'être construite. Le président vient de nous donner 10 km de bitume. Le président a décidé que Bondoukou, Soko, en allant à la frontière du Ghana sera bitumé. Le président a décidé de faire les voiries. Le président est en train de faire un grand barrage du côté de Sorobango pour tirer l'eau pour venir à Bondoukou. Donc bientôt, Bondoukou sera la meilleure ville de Côte d'Ivoire et la meilleure région. C'est pour ça que nous avons dit que Maïsa et Maman sont nos candidats. Nous avons interpellé les autres. Nous avons dit
Omer, qui est en train de faire son dernier mandat. Ça, je tiens à vous le dire. C'est vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, Omer, qui est en train de faire son dernier mandat, que si tu dis que tu es RHDP, laisse la députation à Mama et à Manza. Mais le RHDP t'a donné son poste de maire. Tu es assis dessus. Et toi, tu vas aller prendre les postes des autres pour avoir toi seul. C'est l'argent du gouvernement d'Alassane Ouattara. Vous-même, vous avez vu l'autre jour, c'est malheureux, j'ai vu une émission passer où on me faisait parler alors que ce sont des documents d'archives. J'étais ministre de l'abattoir. Je lui ai rendu hommage. Mais l'argent, ce n'est pas pour lui. C'est pour l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu ne veux pas me sentir, tu prends mon image pour faire ta campagne. Est-ce que je peux être d'accord? Donc je suis venu vous dire que les gens qui prennent mon image pour être candidat, moi mon image là, c'est sur les candidats qui sont là. Et les candidats qui sont là, ce sont les candidats d'Alassane Ouattara. Il y a des gens. Il y a des gens. Ils sont en train de bavarder. Nous, on est indépendants. Quand on va gagner, on va envoyer au RHDP. Mais est-ce que nous, on attend que des indépendants pour envoyer au RHDP? Le RHDP a déjà ses candidats. Si tu es indépendant, quand tu ne veux pas te retirer, c'est que tu veux gagner et puis demain tu vas aller vendre ça au RHDP. Mais quand tu vas vendre au RHDP, l'avion qu'on te donne, est-ce que vous savez dedans? Donc nous, nos candidats sont là. Le président Alassane est en train de faire de bonnes choses. L'autre jour, vous étiez avec nous. Bondoukou vient d'être choisi la première zone industrielle dans le cadre de la transformation de la noix de cajou. Et avec cette usine, c'est plus de 4000 personnes, 60% de femmes, 40% de jeunes qui vont travailler. Mais si aujourd'hui, là, vous allez voter des indépendants, mes parents, je suis venu vous demander
de voter tous pour le candidat Alassane Ouattara. Parce que si vous votez Manza, que vous votez Mama Diabaté, c'est que vous avez porté votre choix sur Alassane Ouattara. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Mais à l'intérieur du RHDP, il y a deux indépendants. Il y a un autre candidat. Si on ne fait pas attention, c'est l'opposition qui va prendre. Mais est-ce que si l'opposition prend, nous on pourra rentrer à Bandoukou encore? Donc, j'ai dépassé mon entendement. Et quand je vois les grains qui sont des hommes d'opinion, la somme de 10 millions de francs.
Vas-y, vas-y.